Quand vous arrivez au centre d'études biologiques de Chizé, vous rentrez dans une des plus anciennes stations de terrain du CNRS. Le cœur d'activité de notre laboratoire, c'est de comprendre en fait comment les espèces s'adaptent aux changements de leur environnement, que ces changements soient d'origine naturelle ou induits de plus en plus par l'homme. Et donc une grosse partie de notre activité repose sur la mise en œuvre d'observatoires dans différents types de milieux. Quelque chose qui nous tient à cœur au Centre d'études biologiques de Chizé, c'est de proposer et de définir les solutions de demain pour assurer la conservation des espèces et des habitats. Ce qui nous intéresse dans l'équipe Ecofi, c'est essayer de comprendre comment un certain nombre de stresseurs de l'environnement affectent la physiologie des individus de différentes espèces. Alors, à partir d'un tas d'échantillons qu'on collecte, par exemple des échantillons de sang, on va s'intéresser à un certain nombre de paramètres, et notamment des hormones. Les hormones, c'est des messagers chimiques qui permettent d'exprimer des comportements, de faire fonctionner l'organisme. Et dans ce cadre, on s'intéresse par exemple aux hormones de stress. Ces hormones de stress, ça nous sert de mesure de la qualité de l'environnement. Par exemple, ça peut être la modification de l'habitat. Ça, c'est quelque chose qui est un des axes forts de l'équipe. On va s'intéresser par exemple aux conséquences de l'urbanisation sur des oiseaux tels que le merle ou les moineaux. Ici, on est en plein centre du milieu urbain, qui représente une thématique importante au niveau recherche, car notamment, on s'intéresse à l'impact que l'urbanisation peut avoir sur la vie faune et vertébrée en général. Donc l'urbanisation, il faut savoir que c'est une des causes principales du déclin de la biodiversité au niveau mondial, et c'est dû au fait que ce milieu urbain est caractérisé par de multiples perturbations. Dans ce cadre, nous, on essaie de comprendre comment les vertébrés peuvent s'adapter à cet environnement, notamment en étudiant différents mécanismes dans leur milieu naturel. Mais ensuite, pour vraiment tester l'impact de nuisances particulières, on ramènera des oiseaux en captivité au laboratoire en manipulant certains paramètres pour comprendre l'impact précis sur les individus. On a diffusé de manière expérimentale un bruit urbain, donc un bruit de trafic routier, à des moineaux domestiques, et on a examiné l'impact de ce bruit sur les différents paramètres physiologiques qui nous intéressent, donc le stress. Et on a pu montrer qu'un bruit urbain, donc l'environnement urbain, accélérait le vieillissement des individus. Se rajoute une problématique qui est aussi très importante au sein de l'équipe, c'est l'impact de différents polluants sur justement la physiologie des animaux et leur réponse en termes de comportement, de reproduction. Pourquoi les polluants? Bien parce que beaucoup de polluants sont des perturbateurs endocriniens. Ils ressemblent à l'hormone naturelle et vont perturber la physiologie. En local, sur des espèces d'amphibiens, on va regarder par exemple l'impact de l'exposition à des pesticides, des herbicides sur le développement, les hormones de crapauds, grenouilles ou tritons. On étudie cette problématique dans des endroits qui nous paraissent plutôt indemnes de cette pollution. Ce sont les milieux polaires, notamment en Arctique. C'est une zone, du fait des courants atmosphériques, de dépôt d'un certain nombre de contaminants, de pesticides, de composés industriels, et qui se retrouvent dans la chaîne alimentaire. Quand on sait que les oiseaux marins en Arctique font face à un changement climatique majeur, si les oiseaux sont moins capables d'adapter leur physiologie à ces changements, on pourrait être dans le cadre d'un scénario assez inquiétant où les oiseaux ne pourraient plus s'adapter au changement de leur environnement à cause de l'exposition aux polluants. Au niveau de l'équipe prédateurs marins, nous nous consacrons en fait à l'étude des oiseaux et des mammifères marins comme sentinelles de l'impact des changements globaux sur les écosystèmes marins. Ce sont des animaux qui sont situés en haut des réseaux alimentaires. Et donc ils vont intégrer la variabilité dans le temps et dans l'espace de ces écosystèmes. Alors pour étudier ces animaux, on se base sur des suivis démographiques, c'est-à-dire des suivis de la reproduction et de la survie des individus qui sont identifiés avec des bagues. Et ces bagues, en fait, sont un peu comme une carte d'identité individuelle. Ils vont nous permettre de suivre les individus tout au long de leur vie et de savoir ce qu'ils font pendant leur vie.
pour comprendre leur déplacement en mer, on va utiliser des petits appareils électroniques comme des balises Argos ou des GPS qui sont embarqués sur les animaux et qui nous permettent de mesurer leur plongée et leur capacité de vol. Alors l'ensemble de ces études repose essentiellement sur des suivis à long terme. Ce sont des observations qui sont conduites année après année, parfois depuis plus de 60 ans, sur certaines espèces. Si on prend l'exemple d'une espèce comme le manchot royal, ça fait 50 ans qu'on suit les populations de cet animal et on s'est aperçu que lors de certaines années, le succès reproducteur s'effondrait, c'est-à-dire que les poussins mouraient et que la survie des adultes diminuait également. Alors comment expliquer ce phénomène? On a suivi ces populations depuis de nombreuses années avec des petits appareils enregistreurs qui nous ont permis de savoir où ils allaient s'alimenter et à quelle profondeur. On s'est aperçu qu'en général, les oiseaux vont s'alimenter au sud de Crozet, à peu près à une centaine de kilomètres. Or, lors des années catastrophes, cette distance d'une centaine de kilomètres va doubler ou tripler et les oiseaux vont devoir aller s'alimenter beaucoup plus loin et plonger beaucoup plus profond pour trouver leur nourriture. Pourquoi est-ce que ces zones d'alimentation s'éloignent considérablement des colonies? Eh bien, en travaillant avec des océanographes, nous avons pu montrer que ces années particulières correspondaient à des années de réchauffement de l'océan. Ainsi, en étudiant les relations fonctionnelles entre la démographie ou le comportement des prédateurs marins et leur environnement, nous pouvons effectuer des scénarios d'impact des changements climatiques futurs sur les populations de ces prédateurs. Alors, les changements climatiques ne sont pas les seuls effets qui affectent les populations de prédateurs marins. En effet, il y a aussi des effets directs des actions humaines, comme par exemple la pêche industrielle, qui va directement affecter certaines espèces de prédateurs marins. Alors, parmi celles-ci, nos travaux menés depuis plusieurs années ont pu montrer un impact direct des pêcheries industrielles sur les populations de ces prédateurs, comme par exemple les albatros, qui se font prendre dans des hameçons de pêche, ou encore des dauphins qui se font prendre dans des filets et qui sont suivis grâce à un réseau d'échouage sur les côtes françaises. Alors l'ensemble de ces résultats sont utilisés ensuite par des instances de conservation au niveau national et international pour renforcer et aider à la protection de ces espèces protégées. L'essentiel des travaux de l'équipe AgriPop se déroule sur la zone atelier Plaine et Val de Sèvre. C'est une plateforme de recherche interdisciplinaire créée en 1994, qui est un grand espace, un grand territoire agricole qui fait 450 km², à peu près 450 agriculteurs, 13 000 parcelles. La zone atelier en fait, abrite trois grands types de projets de recherche. D'abord, un observatoire de la biodiversité et des pratiques agricoles, dans lequel on relève l'occupation agricole de l'ensemble des parcelles. Et on a aussi des suivis à long terme sur de la flore adventice, la flore spontanée qu'on trouve dans les champs, comme les coquelicots qui sont devant nous. On suit également un certain nombre de groupes d'insectes, criquets, carabes, les insectes pollinisateurs qui ont une fonction extraordinairement cruciale. On relève aussi l'évolution des populations d'oiseaux. On a un protocole très standardisé avec un ensemble de points d'écoute qui sont rigoureusement les mêmes depuis 25 ans et qui nous permettent de dresser un constat, un bilan sur l'évolution des populations d'oiseaux qui ont perdu à peu près un tiers de leurs effectifs en 25 ans. Le constat, il est un petit peu sans appel. On a assisté à un effondrement, on peut l'appeler comme ça, de la biodiversité dans les écosystèmes agricoles. Et donc là, on essaie de travailler de manière très étroite et concertée avec un certain nombre d'exploitants agricoles. Et on met actuellement l'essentiel de nos forces scientifiques sur l'étude et le réalisme et la faisabilité économique de ce type d'agriculture dans des paysages comme ceux du sud des Deux-Sèvres. C'est un travail qui se réalise avec les exploitants agricoles et qui est plutôt à la recherche de la démonstration du rôle de la biodiversité dans les pratiques, dans l'agronomie, dans les rendements et même dans les revenus. On travaille par exemple beaucoup sur la pollinisation des cultures. Alors on fait ça à travers différents types de dispositifs. On a des expérimentations à petite échelle en plein champ. On entoure les fleurs de colza, de tournesol ou de bleuet pour ce qui est de la flore sauvage. Et on peut ainsi quantifier le rôle exact des pollinisateurs sur la production des fruits, des graines ou qualité de ces graines, comme par exemple les graines de colza. Des paysages dépourvus d'abeilles, qu'elles soient sauvages ou domestiques,
comparé à des paysages qui sont très riches en abeilles, comme par exemple ici où il y a encore des haies, des fleurs et des prairies, l'écart de rendement, aussi bien sur le colza que sur le tournesol, pouvait être de l'ordre de 40%, ce qui est absolument considérable. On a aussi beaucoup travaillé sur l'abeille domestique et l'apiculture. On a notamment démontré l'impact des insecticides néonicotinoïdes. Et là, actuellement, on travaille plutôt sur les complémentarités entre apiculture et agriculture, sous l'hypothèse que des paysages diversifiés produisent des ressources alternatives aux abeilles, c'est-à-dire autres que le colza et le tournesol, et donc leur permettent de survivre mieux pendant les périodes de disette alimentaire. Le troisième axe de recherche sur la zone atelier part du concept de socio-écosystème, c'est-à-dire l'interface entre un écosystème naturel et un socio-système, c'est-à-dire une société humaine et ses acteurs. On essaye de travailler avec les habitants dans les villages sur la manière dont ils considèrent la biodiversité, les fonctions et les services écosystémiques. Nous sommes ici sur un des 23 ruchers communaux de la zone atelier Plaine et Val-de-Sèvre. Ce sont des ruches qui ont été installées par les enfants des écoles. L'originalité de ce rucher, c'est que la gestion du rucher est confiée aux habitants. Donc ce sont des outils pédagogiques qui sont intégrés dans des dispositifs de sciences citoyennes. On va remettre les citoyens, dès le plus jeune âge, en contact avec la nature. Et le troisième enjeu, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage social, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les habitants s'approprient les connaissances pour décider par eux-mêmes, avoir un libre arbitre et un esprit critique. Alors ici, on est dans le service d'analyse biologique. On reçoit des centaines d'échantillons chaque semaine de la part des chercheurs. Nous réalisons diverses analyses qui vont du sexage moléculaire au dosage d'hormones en passant par la mesure de la longueur des télomères. On fait aussi de la génétique des populations. Le service est plus particulièrement reconnu à l'extérieur pour son expertise dans les dosages d'hormones. Pour ce type de mesures, nous recevons de nombreuses demandes extérieures, aussi bien de chercheurs français qu'étrangers. Ce qui est vraiment enthousiasmant au laboratoire, c'est en fait c'est d'accueillir énormément de jeunes étudiants, doctorants, post-doctorants, qui arrivent avec leurs idées nouvelles, qui nous permettent de tester en fait les questions qui nous taraudent. Et cette créativité, je dirais, elle est essentielle pour assurer l'avenir de notre laboratoire autour d'enjeux qui sont essentiels pour nos sociétés. On peut dire que c'est un tremplin parce que j'ai commencé en tant que master, tout jeune master, puis projeté dans le monde du terrain, aux réalités des données. Et ensuite, derrière les ordinateurs pour analyser toutes ces données, apprendre à publier et continuer dans un postdoc qui me permettra peut-être de devenir chercheur et pourquoi pas revenir en tant que chercheur à CHISÉ. En fait, très simplement, j'ai rencontré les équipes du CNRS de CHISÉ comme député de la circonscription. Le premier défi, c'est d'avoir une interaction beaucoup plus forte entre la décision publique et la science. Et notamment tous les progrès qui peuvent être accomplis pour l'écologie, ils sont basés sur la science. La valeur d'une parole scientifique, elle est absolument indispensable, ce qui nécessite aussi de lui donner des moyens d'indépendance extrêmement importants.